Ski Emploi en piste depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On se retrouve en duplex du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l'opération Ski Emploi en piste. Donc on vous en parle depuis ce matin, toute l'équipe de la radio est donc sur place pour vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez, oui j'ai du mal. Et on vous y attend d'ailleurs, parce que comme si vous y étiez, on aimerait que vous y soyez. Il y a beaucoup de monde déjà ici, mais sachez que 5000 emplois sont proposés ici par 150 entreprises. Il y a aussi des ateliers, des conférences. Enfin, si vous cherchez un emploi ou une formation d'ailleurs, n'hésitez pas, rejoignez-nous au Vélodrome donc de Saint-Quentin-en-Yvelines pour Ski Emploi. Alors, je suis avec Christophe Rampon, directeur général de Genaris. Alors, Genaris Group, d'ailleurs. Expliquez-nous d'abord, Genaris Group, je vais y arriver, qu'est-ce que vous faites ? Alors, Genaris Group, c'est un ensemble de 12 PME qui sont regroupées au sein d'un cluster. Et notre métier, c'est d'accompagner les clients grands comptes industriels pour faire de l'innovation. Donc, on les aide depuis la stimulation, la créativité, la recherche de nouvelles solutions, l'étude de ces solutions, la réalisation des démonstrateurs et jusqu'à l'industrialisation. Donc, le fait d'avoir regroupé l'ensemble de ces compétences, ça les permet de les accompagner sur la totalité du cycle et donc d'avoir des phases itératives très rapides qui permettent de créer très vite de la valeur et des nouvelles innovations. Ah, très concrètement, vous êtes en fait un regroupement de plein de petites structures. On est un regroupement aujourd'hui de 12 PME, TPE et même au sein du cluster, on a créé même des start-up avec des dirigeants, enfin des gens qui avaient des idées, des projets et qui étaient cohérents par rapport à ce qu'on proposait. On les a accompagnés pour naître au sein du cluster. Voilà. Donc c'est un écosystème très dynamique qui permet de répondre très rapidement à de l'innovation. Voilà. Vous êtes sur Saint-Quentin-en-Yvelines depuis quelques années et vous allez vous développer là bientôt sur Saint-Quentin. Alors effectivement, Saint-Quentin-en-Yvelines, on y est depuis 2010, la création. Aujourd'hui, on réalise un bâtiment de 4600 m² sur Saint-Quentin-en-Yvelines puisque le lieu économiquement, cadre de vie, etc. est excellent. Donc on voulait rester ici pour porter notre développement. On fait 30% de croissance par an. Voilà, donc on a mis des locaux dans lesquels on a privilégié de développer toute une zone pour l'open innovation dans laquelle on aura nos clients qui se retrouvent, nos équipes et des gens, des startups ou des briques technologies, des gens qui vont amener l'innovation. Voilà. Alors là, vous participez à cette opération, à Ski Emploi, qu'est-ce que vous venez faire ? Alors, Ski Emploi, on y est pour la deuxième année consécutive. Et ce qui est intéressant, c'est... Alors, déjà, on a beaucoup de postes à pourvoir chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est de privilégier l'emploi local. Quand on est des PME, ben, on n'est forcément pas toujours visible d'un point de vue national. Donc, voilà, c'est une meilleure visibilité pour attirer des talents chez nous. Voilà. Alors, quel profil ? Quels sont les emplois que vous proposez ? Alors, c'est très varié. C'est aussi l'avantage. On va chercher tout ce qui va être technicien, ingénieur dans des fonctions techniques. Donc, électronique, software, développement de software embarqué, développement de logiciels plutôt applicatifs, tout ce qui va être architecture électrique. Donc on est sur tous les nouveaux usages de la mobilité, le smart grid, donc de l'électronique de puissance, des véhicules connectés, véhicules autonomes, des nouveaux bâtiments. Voilà, donc tous ces métiers qui émergent et qui sont, il y a une forte demande. Voilà, donc pour pouvoir justement étudier ces nouveaux usages et ces nouvelles innovations à sortir. Ensuite, on cherche aussi des gens. Pour nous, ce qui est important, c'est de chercher des gens qui ont vraiment un côté, comme on est dans l'innovation, qui sont créatifs, qui vont avoir pas peur d'apporter des nouvelles choses, de travailler autrement. On n'est pas attaché forcément au diplôme, c'est très bien les diplômes, mais on s'est formé, comme on a, voilà, c'est des métiers nouveaux, on a notre propre école interne, on est capable d'accompagner des collaborateurs, donc on embauche des gens qui sont, puisqu'on a de l'intervention sur véhicule, du montage, du câblage, des choses comme ça, on est capable de prendre des gens qui ont une formation simple en électrotechnique et de les monter en compétences. Donc on cherche des gens, voilà, qui pensent peut-être qu'ils n'ont pas de job pour eux, mais qui peuvent en trouver chez nous. Ça, déjà l'année dernière, on avait réussi comme ça à recruter des personnes qui, finalement, qui ont trouvé un cadre. Et la deuxième chose qui est importante pour nous, on cherche des gens qui ont les valeurs de la PME, hein, donc la passion, le travail avec bienveillance avec les autres personnes et l'accompagnement dans le temps. Voilà. Donc on invite tous les gens qui pourraient avoir ce profil à venir vous voir ici, hein, sur votre stand Genaris Group, donc ici au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, opération Ski Emploi en piste. Venez tous, il y a des emplois donc à pourvoir et... Il y a beaucoup d'emplois pour voir, il faut que vous veniez. À tout à l'heure, on vous attend et on se retrouve nous sur radiosensation.fr.